Alors, shalom. Encore Otta Teshuvah, chapitre 12, Piska Chet Echad. C'est dans la page Pevav. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, Pevav. Voilà. Virgule de lettre. Non. Chet. Péricule bête. Ah, you bet. Bon. Je vais noter ça. Comment dire? Ateshuva. Biyesoda. Itenua la chouve et la mekoriut. El mekor achaim va avaya et l'una bech le moutam. Ben boulim ou metzarim. במגמה יותר אצילית וברוכה מזוהר העליון פשוט והמבהיק. אמנם, השטף של החיים הוא מוריד אותנו לענפים המתפשטים, שכל מה שהם הולכים ומתחחקים, וכל מה שהם קונים יותר תפיסה במעשה, במפעל ובהתגשמות, הם יותר קרובים לאמץ את מהותנו המוגבלה. והננו חושבים את עצמנו על ידם לבעלי חוזק ואת עניות. ובשביל כך, הרי אנו מרגישים את עצמנו רפים וחושלים באותה עמידה שתוקף אותנו הרצון לשוב למקור הראשי, המתעלה מכל התפשטות ענפיו. מפני הכישלון הזה, שלום, של הכוח, גם השאיפה הרוחנית מתחדשת, שלום. ובשביל כך, היינו צריכים להיות, בכל זמן שאנו עולים בדרגת התשובה, אחוזים יפה, גם בענפים המעשיים, ושיחם ושיגם, הגנותיהם ושאיפותיהם. ולהעלות אותם יחד עם עליית מהותנו למרום האצילות והתנסות הדבקות המקומית. סוף סוף, הרי כמה שהחיים התפשטו, הרי הם כולם מפקים מאור המקורי. ויחד עם מהותנו הנשמתית צריכים גם הם לשוב אל הרום העליון. ואז לעולם לא נעלה לחוסר רכוש ולא ניכשל בהחלשת כוח, כי לא ערומים נעלה למרומים, כי עמנו אחוזת לבושנו רבי הגוונים ועשירי הצבעים אשר רכשנו לנו מהתפשטותם של החיים כולם, והננו עולים ובאים בימים מכל תולדות המפעל המעשה והחיים אשר עמהם. אורבא. La teshuva, biyesoda, dans son fondement essentiel, il ténoie la chouva de Makabut. Il s'agit d'un mouvement qui nous ramène à l'origine, l'origine de la vie, avant qu'elle soit apparue dans toutes nos activités différentes. Elle met quoi en haïm? C'est de se relier à la source de la vie. Et l'existence suprême dans toute sa perfection. Ben boulim ou metzarim, sans aucune limite. Car toute activité, elle est limitée, donc elle est étouffante, elle est étranglante. Le divin qui se trouve en elle se trouve un petit peu étouffé. Il a une volonté de retourner à l'origine de toute l'existence. Pamegama yoter atzilit. Dans les objectifs, l'objectif le plus noble, le plus béni, Mizor et Elion a pashut mavik, de la clarté la plus suprême, la plus rayonnante. Donc ça, c'est à cela qu'on tend lorsqu'on pense Teshuvah. C'est-à-dire notre vie, notre âme, qui atterrit du ciel et qui nous a incarnés, se trouve embrouillée dans toute la complexité de la vie, tous les soucis de la vie. À un certain moment, elle étouffe. Donc, elle ressent un besoin ardent de retourner
dans toute sa pureté, dans toute son originalité, dans toute sa, son existence la plus primaire. Mais, Omnam, Hachetef el Achaim, ou Mourid Otan ou l'Anafim Amit Pashtim, ça veut dire le courant de la vie nous amène à chuter dans toutes les branches qui se ramifient. C'est-à-dire que cette vie ne reste pas dans son état abstrait, elle est concrétisée dans toutes sortes d'activités journalières, quotidiennes, et dans des millions de complications. Chez Kolmachem Olchim ou Mitrachim, et dans là commence le paradoxe. Plus ces activités s'écartent, s'éloignent de l'originalité, le Kolmachem Konim Yoter Tfissa Bemaase, et plus ils acquièrent une emprise dans le monde de l'action, le Mifal, le Migashmut, toute action dans la concrétisation, et Yoter Krovim la Metzet Mahutenu Amugbala, ont tendance à renforcer notre essence limitée. Parce qu'on a comme l'impression de faire des choses sérieuses. Là, finalement, on fait quelque chose de concret. Et à nos yeux, le concret, c'est la réalité. L'abstrait, c'est du bidon. Dans la quasi-totalité des hommes, lorsqu'ils font quelque chose de concret, je sais pas, ils ont pris un marteau et un clou, ils ont relié des planches, ils ont fait une table, ah, il y a une satisfaction, voilà, j'ai été créatif, j'ai fait quelque chose de concret. Quand j'ai étudié un texte compliqué, abstrait, j'ai passé un bon quart d'heure, mais finalement, j'ai rien fait de concret. C'est comme ça que les gens réagissent. Donc, plus l'âme tend à apparaître dans ce monde le plus concret, le plus matériel, plus ça nous donne une sensation de force, de réalité, de stabilité. Regardez. Kol ma shem konim yoter tfisa ba ma'ase, ba mifal ou ba itgashmut, et yoter krovim la metzet ma'utenu amugbala. Ceci vient renforcer notre essence limitée. Vinenu chojvim et atzmenu al yadam le balei chodek netaniut. Et grâce à elle, grâce à toutes ces activités, on a comme l'impression qu'on commence à devenir fort et stable. Aujourd'hui, j'ai fait des choses importantes, j'ai construit une table, j'ai fait des choses sérieuses. Je n'ai pas fait qu'à lire des poèmes, ou écrire des textes, ou bien lire toutes sortes de lectures qui, de fait, ne rajoutent pas grand-chose dans ce monde, pense la quasi-totalité de l'humanité. Au Bujilkar, et c'est ce qui fait que dès que la pensée de Teshuvah nous effleure, qui nous mène à vouloir retourner à l'origine, retourner à la divinité, on se sent affaibli. On perd en prise dans le monde concret, c'est comme si un petit peu mourir, se réélever dans la stratosphère au lieu d'être bien agrippé dans le monde concret. On se sent affaibli. C'est-à-dire plus cette volonté de faire tshuva nous agresse, plus on se sent un petit peu mourir. Comment ils disent, le chef frère Haridim, la mit et atzmo beola shel Torah. C'est pas lui qui a inventé le terme, c'est marqué dans le Gemara. On va se laisser mourir dans l'attente de la Torah. Il faut se mortifier un petit peu. Bota mida shetokef otanu haratzon lashuv la makor rashi. Amitale mikol itpashtut anafav. Qui cette source-là de vitalité est bien en delà de toutes ces apparitions dans les branches les plus concrètes de la vie. Donc vous comprenez très bien que quelqu'un de normal, du point de vue psychique, n'a pas envie de faire tshuva. Si chaque fois qu'il pense tshuva, de manière associative, il pense un petit peu mort, il suffit qu'il soit sain d'esprit, qu'il aime bien la vie, il n'a pas envie de faire tshuva.
C'est comme si que l'âme sort du corps et revient à son origine. C'est-à-dire, je m'écarte des choses concrètes et je commence à me lever dans la stratosphère la plus abstraite. On est obligé de s'écarter des choses concrètes ? Non. Mais la plupart des gens qui font tshuva optent pour cette démarche et se font un gol atzmi. On dit gol atzmi en français, je ne sais pas. Ils se rendent un gol à eux-mêmes. Ils se font un croche-patte. Et donc, il va expliquer exactement ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans cette erreur ? C'est clair ? Donc, le Amangenon Mouvan. Pour reprendre, donc la tshuva, c'est une volonté de l'âme de retourner dans la pureté de son origine avant qu'elle eût été salie dans toutes les activités quotidiennes. Et il n'y a pas le choix, on se salit toujours. Donc elle a un languissement profond de retourner dans sa pureté lorsqu'elle était dans les bras de Dieu. Et dès qu'on pense à ça, c'est en quelque sorte abandonner le monde concret. Alors que chaque fois qu'on fait quelque chose de concret, ça donne une impression de force, de stabilité, de vie, etc. C'est pas normatif, c'est descriptif, ce qu'il dit. Tu poses la même question qu'elle. C'est pas ce qui doit être, mais c'est ce qui arrive la plupart du temps. Penser tu vas, c'est vrai que c'est retourner au divin. On va voir comment ne pas tomber dans ce piège. Continuons. Umipenea kishanon azé, c'est la quoi? De ce fait même que la pensée de la Teshuvah raffaiblit notre force, cela entraîne qu'on n'a plus tellement d'aspiration spirituelle. Parce que chaque fois qu'on a une aspiration spirituelle, ça nous casse le moral. Et donc, de manière instinctive, par l'instinct de conservation, on en arrive à atténuer l'intensité de nos aspirations spirituelles pour pouvoir mieux vivre. Donc maintenant, réponse. Comment ne pas tomber dans ce piège? Ou bishvil kach, c'est pourquoi. Arenu tzrichim liyot, nous devons. Bechol zman shanu olim et dargat ha-tshuva. Chaque fois que nous nous élevons dans les niveaux de la teshuva, il faut rester très fortement lié aux activités concrètes. Surtout ne pas lâcher le morceau. Même si tu aurais envie de rêvasser, de t'écarter de toute activité concrète, force-toi à rester très fortement lié au monde matériel concret. Vesiham, vesigam, c'est-à-dire de s'intéresser de tout ce qui se passe, être, comme on dit, moudkan, être à jour, lire les informations tous les jours, même 10 fois par jour, s'il faut, pour ne pas t'envoler dans la stratosphère et rester bien agrippé à ce monde-ci. S'intéresser au développement de la science, tout ce qui se passe dans la société. Torah ve avoda. Connaître, être comme un kadosh barokou, atam mechiyat kulam. Dieu qui est la source de toute spiritualité, et pourtant c'est lui qui fait vivre les cafards, les moustiques et les mouches. Et aussi les hommes. C'est clair ? En même temps, il a tout créé. Hein ? En même temps, il a tout créé. Et il continue de créer. Oui. Atam mechiyat kulam. Tu ne veux pas être plus royaliste que le roi. Tu ne veux pas être plus divin que Dieu lui-même. Dieu qui est la source de toute spiritualité se trouve être dans toute la matérialité. Avec force. Oui, mais il y a aussi un danger de sombrer dans notre élite. Parce que cette matérialité prenne le dessus sur la rouhanie. Donc on en arrive. Dans le monde d'Atiyah, c'est clair. Hein. C'est sûr. On en arrive. Donc, on doit rester fortement lié dans toutes les branches. Vesiham, vesigam, pas seulement le faire comme ça, la valise, s'intéresser, avoir de l'intérêt pour cela. Et guénotéem et shifotéem. La logique est en cela, les aspirations matérielles aussi. Pas dire tout ça est vanité, on doit s'en déconnecter. Comme les gens qui n'ont que ça, qui n'ont que le monde matériel, et bon, ils ont des aspirations matérielles aussi, et bien ce n'est pas une raison, parce que toi, tu as des aspirations spirituelles, de laisser tomber tes aspirations matérielles. Ou le halot otam,
et les élever. Maintenant, on arrive à ta question. Et elle aussi, ses branches, les halot otam, les élever. Yachad imaliat moutel, avec notre élévation, avec l'élévation de notre essence. On ne doit pas s'élever tout seul et laisser tomber ce monde. Tout le monde auquel on est agrippé, on doit l'élever avec nous. Mais il faut comprendre que ça veut dire l'élever avec nous. Ça veut dire d'injecter dans toutes les activités de l'idéal. C'est ça la véritable chose. Non pas te déconnecter des branches, mais faire en sorte que la sève qui est dans la racine grimpe dans le tronc et arrive aux branches, aux brindilles et aux feuilles et les rafraîchisse. C'est-à-dire puiser de la sainteté de ton âme et irriguer toutes tes activités de manière constante. Ça veut dire, de manière concrète, chaque chose concrète et matérielle que tu fais, ne pas la faire seulement par un intérêt bête et méchant et idiot, mais par un idéal très suprême. Et en étant très précis et très professionnel dans ton activité quotidienne. Zé Madriga, on va le voir dans Moussila Tichara. Ou la lot otam, toutes ces activités, toutes ces branches, yachad im aliyat melotenu, avec notre élévation. Limrom atzilut, à la cime de la noblesse, de la grandeur. Vitnasut atekut amekorit, et l'élévation de la proximité de Dieu la plus originale. Kisof sof, car finalement, arikama shachaim it pashtu, quand bien même la vie pourrait s'écarter, c'est-à-dire s'élargir dans toutes sortes d'activités. Arem kulam et fakim, mais romekori, n'oublions pas qu'elle découle de cette lumière première. C'est-à-dire toutes tes activités, tout ce que tu le fais grâce à la vie divine qui est en toi, sinon tu ne pourrais pas le faire. Quand tu tiens un marteau et un clou, ben, si ce n'est qu'il y avait une âme en toi qui te donnerait cette vitalité, ben, cette activité, tu ne pourrais pas le faire. Donc de fait, toutes les activités que tu fais n'existe que par le divin qui se trouve en toi. Donc il n'y a rien de sale en cela. C'est du divin. Rikula mefaki, mora mekori. Veyachad imarutelo nishmatit. Tsichim, on va rajouter un mot, gamhem, pas seulement gam. C'est-à-dire, avec notre essence qui s'élève, eh ben, elles aussi, ces activités, elles aussi doivent retourner à la hauteur la plus suprême. Et alors, ceci entraîne que l'olam, l'onale, ça repouche. Jamais nous remonterons, okay, sans bien, démunis de tout bien. C'est-à-dire sans quoi ça serait stupide. Tu as atterri dans ce monde, tu as acquis toutes sortes de biens matériels, connaissances, sciences, etc. Et finalement, tu retournes tout nu. Ben, pourquoi t'es venu alors? Eh bien non. Tu dois, lorsque tu t'élèves vers les cieux, vers la spiritualité, vers la sainteté, tu dois t'élever habillé et muni de tous les atouts que tu as acquis dans le monde concret. Et ceci ne fera que renforcer ta spiritualité, lui donner plus de fondements concrets. Ça va être l'eau pas chute, hein? Pas taille. Ma vache. L'eau pas chute, Bichlal. Si ça peut te rassurer, ouais. C'est le chapitre 26 de Messie la Déchard. Ouais. Mais si on ne sait pas quel est l'objectif, on prendra mauvaise route. Même quand tu es dans tes premiers pas dans une route qui a 100 000 km, il ne faut pas se tromper de route. C'est quoi, tu vas aller à contresens. Donc tu dois d'abord définir quel est l'idéal. Et d'un autre côté, ne pas te leurrer à croire que tu es déjà au bout du chemin. Voilà. Continue. Vas le rolam, l'on a allé bechosser au ruche. De cette manière, par cette stratégie, ben jamais on retournera, on s'élèvera démuni de tout bien. Velon y cachel bachachat koar. Et plus encore, et ça c'est l'essentiel, nous n'allons pas trébucher ou bien tomber par une faiblesse de force. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on tend à s'écarter des activités matérielles, automatiquement, on en ressort affaibli, et automatiquement, on n'a plus envie d'aspirer à la spiritualité.
Donc cette entrave à la teshuva, il faut l'écarter. C'est une des entraves essentielles de la teshuva du collectif. Le Rav Kook explique à la fin du livre. C'est aussi vrai pour l'individu, mais à plus forte raison pour le collectif, c'est-à-dire pour la nation. Car ce qui caractérise la nation d'Israël dans notre génération, c'est la tria léumit, la renaissance nationale. C'est-à-dire de remettre d'aplomb toutes les forces vives de la nation qui étaient en état latent pendant 2000 ans. Voilà que maintenant elles apparaissent dans toute leur vigueur. Donc c'est ça le motto essentiel de la génération. Donc évidemment que la renaissance nationale, si elle aperçoit sur son chemin des obstacles, elle va les écarter. Donc tant que la teshuva est conçue comme quelque chose qui fait obstacle à la vie concrète, le sionisme lui fera la guerre. C'est ce qui explique que la première des choses que le sionisme a décidé de faire, c'est de mettre à mort la religion. Pensant par erreur, et pour cause, car la quasi-totalité des religieux pensait comme ça. Et jusqu'à présent, 90%, si ce n'est plus, des religieux pensent comme ça. Que être religieux, c'est un petit peu mourir. C'est un petit peu renoncer à la vie, il n'y a pas le choix. Par amour de Dieu, on doit un petit peu renoncer à la vie. Tant que cette fausse conception se trouve sur le plateau, le peuple d'Israël, dans ses organismes nationaux, ne fera pas de choix. Donc, il y a des entraves sur la route de Dieu qui empêchent le peuple d'Israël de retourner à Dieu. Ce sont ces fausses conceptions. Mais non, il ne suffit pas que les véritables conceptions soient marquées sur des livres comme on voit dans les Shuvah, car les livres sont dans les bibliothèques remplies de toiles d'araignée. Il faut que ces concepts soient vécus, qui est en chair et en os et des représentants de cet idéal qui se promènent et qui vivent et qui agissent dans la société israélienne. Plus il y aura des gens comme ça dans la société israélienne, qui auront des rôles importants et qui se feront bien voir, plus ça donnera envie aux personnes de faire du mal. Et plus il y a des gens qui, par erreur, par bonté de cœur, par religiosité, renoncent à la vie par amour de Dieu, plus ce sont des détracteurs de la Yirat Shamayim, de la Tshuva, de la lutte du peuple d'Israël. Ils ne donnent pas envie parce que... Qui quoi? Ils ne donnent pas envie de vivre. Qui c'est qui n'aime pas son fils? Donc s'il voit que son fils risque de se faire attraper par des poisons, ben il en écarte, il écartera. C'est clair. Donc, Véloni Kachel Bachachet Kouar. Et c'est la manière de ne pas être affaibli en pensant Tchouva. Kilo Arumim na alien emromim. Car nous ne monterons pas vers les cieux nus. Maral dit que Betriat Amitim, les morts se relèveront habillés. Et pas nus. Kalvachomer. Dit la graine, on la met dans la terre toute nue, et quand elle pousse, elle est enveloppée d'un épi. Donc si la graine est habillée quand elle sort, à plus forte raison, l'homme lorsqu'il ressuscitera. Bon, pas tellement très clair le Kalvachomer, mais c'est pas grave. Évidemment, c'est une métaphore. Ça veut dire que ne crois pas que tu vas tout recommencer à zéro. Tout ce que tu as acquis reviendra de plus belle lorsque tu monteras dans les niveaux de spiritualité. C'est ce qu'il dit là. Donc, Kilo Arumim na alel emromim. Nous ne monterons pas vers les cieux nus, démunis de tout atout. Kimanu achuzat lebushen. Au contraire, nous viendrons en main avec tout le patrimoine de nos habits. Rabbi Agvanim, toutes sortes de couleurs, toutes sortes d'activités, toutes sortes d'atouts, de talents, va chirer à Tzvaïm, une richesse de couleurs, va chirer à Rachni, que nous avons acquis. Mid Pashtutam, Shalachaim Kulam, du fait même que la vie s'est ramifiée. Vinenu Olim, Obaim Bayami.
Il est dit à propos d'Abraham Avinu, Abraham Zaken, Ba Bayamim. Je veux dire Ba Bayamim. Il vient avec ses jours. Et des gens, au bout du rouleau, à la fin de leur vie, lorsqu'ils arrivent devant Dieu, alors que vous pouvez dire, on va observer un petit peu le livre de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de vous, David ? Ben, pas grand-chose. Bon, t'as mangé, t'as dormi, t'es bien kiffé. Oh ! Là, t'as mis de Philim. Là, t'as aidé une femme à porter son sac. Là, t'étais dans l'unité d'élite de l'armée d'Israël. Là, t'as planté un arbre. C'est pas mal. Mais c'est du gâchis, tout un livre pour 5-6 points. On ne peut plus mettre sur une ligne. Donc, le livre de ta vie est vide. Abraham Avinu, il dit à son troupeau, Bab Yamim, tous les jours est rempli de sens. Il n'y avait pas une seconde de sa vie sans sens. Ça ne veut pas dire pour autant qu'Abraham Avinu était au collège toute la journée. On voit bien que c'était un grand homme d'action, fichichisme, un grand soldat aussi. Ça veut dire que dans toutes les activités qu'il faisait, tout était orienté vers un seul idéal, de construire la nation d'Israël qui va élever l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Dans les activités quotidiennes. C'est exactement de ça qu'on parle. Baba Yamin. Tu viens avec tes jours. Tu n'as pas honte de tout ce que tu as fait. Toutes tes activités ont un sens. Tu la page. Quelle page on est ? Déjà. Alors, on termine. Venez-nous au livre, Baba Yamin. Imkol Toldot Amifal. Toldot, c'est les engendrements, les enfants de nos activités. Ce que nos activités ont semé dans ce monde, ensemencé dans ce monde, engendré. Amaasé, Vachaim, Asherimam, aussi bien l'action elle-même que la vie qui est en elle. Ça veut dire l'idéal qu'il y avait dans nos activités. C'est clair ? Attends, on va voir deux choses. Je n'ai pas eu le temps de mettre cela, mais je vais lire lentement. Celui, il a pris un petit peu la pluie. Il était sous le matériel. Mais... Je lis juste au début. Regardez. C'est quoi qu'on dit ? Orot HaKodesh, Bet, Amud Sinchet. Juste pour revoir ce qu'on a en book, évidemment. Vous avez froid ? Non, en fait, il faut le dire. Ah, mais il fait chaud. Alors, quand il fait froid, on ne s'endort pas, c'est meilleur. Alors, j'ai juste lu 4-5 lignes. Pour expliquer ce qu'on a dit tout à l'heure, que lorsqu'on fait quelque chose de concret, on a l'impression de faire quelque chose de sérieux. On a l'impression d'avoir quelque chose de réel. Lorsqu'on a des activités, des occupations spirituelles, on a l'impression d'être dans la nullité. Regardez. Bekatnuta dart. Petitesse d'esprit. Munach eres pnimi. Se trouve un poison intérieur. Chez Nidme Aliado, par l'intermédiaire duquel on a l'impression, chez Kol Antaka Minachol El Kodesh, tout, comment dit Antaka, passer d'un endroit à l'autre. Transition, transfert. Tout transfert du Chol vers la Kodesh, Idechia Miyeshut El Siut. C'est comme si qu'on repoussait une réalité, et qu'on irait vers la nullité. 99,999% des gens pensent comme ça. Quand je suis dans le rôle, je suis dans la réalité. Kodesh, c'est du bidon. Continuons. Va falpi shaoda chitzona menagedek lezé. Bien que si tu interroges les gens, tu vas leur dire qu'est-ce qui est plus important, le Kodesh ou le rôle ? Bien sûr, le Kodesh. Parce qu'il doit signer pour appartenir au moins à d'hommes des religieux, sans qu'il va se faire bider. Afalpisha Oda Hitsona. C'est-à-dire la reconnaissance superficielle. Contredit cela. Mitzat Kabbalat Emuna. Du fait même qu'il veut bien recevoir la foi. Shemes Edet Kolkoshel, Gamashafel, Gam Nishpal Bekatnut, Becholzot. Mais en fait, Beatzmiuta Shalakara. Dans le plus profond de la conscience, Chaser Zayesod Amir, ce fondement clair manque. Amazir et Nishmat et Adam, qui fait rayonner l'âme de l'homme, et Tokhiyuta. Shaliado,
Aneshama tva kula bakarata ilona. C'est-à-dire ce fondement devrait être dans l'âme et qui amènerait l'âme à être dans cette conscience suprême, que c'est exactement le contraire. Shekol antaka minachol el kodesh. Tout transfert du hol vers la kodesh, ibericha, est une fuite, mihurban, de destruction, veafsiut, de nullité, et la yeshuv, amilui, vayeshut, akibira, vers l'entité la plus grandiose et la plus stable. El chaya chayim, à la vie de toute la vie, beotsem et kuruta, dans la force de toute son originalité. Vazramat, chifatam, remia, bon, je laisse tomber, c'est trop long. Vous avez compris? Ça veut dire. Je suis en train de construire une table, j'ai énormément de satisfaction, j'ai fait du concret. Top, mais je n'ai pas le choix, comme je suis religieux, j'appartiens au clan, je vais à un cours de Gemara. Top, faisons ça vite et débarrassons-nous, parce que retournons aux choses sérieuses. Je donne un exemple très simple. Réunion mondaine entre des parents qui bouffent ensemble dans un resto. Bonjour Madame Bokobzar, qu'est-ce que fait votre fils? Ingénieur informatique. Ah, très bien. Et vous? Électro-optique. Extraordinaire. Et vous, aéronautique, super. Et vous, elle dit à demi-mot, elle dit, il étudie à l'Eshiva. Ah, c'est bien l'Eshiva, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il compte faire après? Ça, c'est bien comme un muse-gueule pour passer le temps. Un petit peu pour le bon Dieu, mais quand même, soyons créatifs, constructifs. C'est du bidon, Kitsou. Elle est religieuse, elle a un kissou roche, elle est noire, etc., etc. Mais à ses yeux, c'est du bidon. À ses yeux d'elle-même, de la mère. D'ailleurs, elle dit ça à mi-voix la plupart du temps. Et ne parle pas des autres. Qui c'était, je me rappelle. La fille du Raftao. Il s'est marié avec un mec qui venait de Givatram. Givatram, c'est la high society d'Eret Israël. Les Ashkenaz pompeux, riches, etc. Qui était une famille moyennement religieuse, qui passe au gars, tu sais. Givatram? Non, Givatime, Givatime. Givatime, Givatime. Ouais. Pédramadgal. Qui est un Pédramadgal, dans le coin. Et bien, le fils, qui était un fils normal, malheureusement, a chuté dans la yeshiva. Bon, après quelques temps, le père du père est mort, alors en temps, il devait faire les Nachemoto. Mais le papa était bien plus attristé du fait que son fils était à l'Eshiva que son père était mort. Donc il devait les Nachemoto que son fils était à l'Eshiva d'abord. Vous comprenez? C'est la conception la plus metsuya. C'est-à-dire le Kodesh, c'est bien de temps à autre, on fait une ascara pour les morts, etc., mais c'est pas quelque chose de sérieux. Le sérieux, c'est l'autre. C'est ce qui fait que dès qu'on pense Teshuva, on a l'impression de s'écarter de la vie réelle et de mourir un petit peu. Et donc de suite, on s'en écarte. C'est clair? Donc maintenant, on va voir autre chose. Déjà, je peux vous apporter des livres, j'en ai. Page 132. Donc, il soit bien clair que le niveau que l'article décrit ici, c'est le niveau de la Kedusha, qui est le chapitre 26. Donc, on va pas tout lire, évidemment. En bas de la page, vous voyez, 132. Veine Aïch Amit Kadesh. Vous voyez où ça se trouve? Aïch Amit Kadesh, c'est Kdushat Boro, celui qui se sanctifie. Afilou Ma'asav Agashmim, Chosrim Yot Inenek Kdushat Mamash. Même ses actions matérielles appartiennent à la Kedusha Mamash. Et si Manach, ça veut dire le moyen mémotechnique pour s'en souvenir, Achilat Kodashim, Shi Yatzma Mitzvah Tarsé. Concernant la consommation des korbanotes. Chamim ont dit, à leur propos, les kohanim mangent,
Et ceux qui ont porté le corban, par là même, expient leur faute. Intéressant comme truc. Lui, il fait un bon steak, et ça me pardonne mes fautes. Comment ça marche? Mais direz, Alta. Aïfresh et Ben Ataor la Kadosh. Donc la différence qui existe entre le niveau de la Tahara et le niveau de la Kudusha. Ataor, Ma'asav Khomrim. Ses actions sont matérielles. Enam lo, Ela Echechrim. Il fait ça par. Ouais. Manque de choix. S'il pouvait plus, sans, il préférerait. Il n'y a pas le choix, il faut bien manger, il faut bien dormir, il le fait à contre-cœur. Il le fait seulement parce qu'il est obligé. Et c'est ce qui fait que ces activités de celui qui est à or sortent du domaine du mal de la matérialité et restent quand même purs. Mais par contre, ils ne sont pas élevés au niveau de la Kedusha. C'est-à-dire s'ils pouvaient vivre sans eux, sans manger, sans dormir, sans aucune satisfaction corporelle. De son point de vue, il aurait préféré que la vie soit comme ça. C'est un casse-tête, toute cette matérialité. Ça risque à chaque fois de le faire glisser vers la Touma et prise de tête. Mais justement, c'est ça le travail. D'accord. Mais il préfère ne pas travailler, comme la plupart d'entre nous. On peut rallumer le masgar, non? Il commence à faire chaud. Merci. Voilà, c'est ça qui est le travail. Nahon, évidemment. Mais vu que de manière statistique, ouais, la plupart du temps, on glisse vers la Touma, donc il préférait ne pas avoir affaire à toute la matérialité. Donc ça, c'est le niveau de la Tahara. Acha Kadosh, par contre, celui qui est Kadosh, Adavek Tamig Lelohav, qui est toujours en proximité de Dieu dans sa conscience. Son esprit est toujours dans les pensées les plus hautes, dans la vérité les plus suprêmes. Bavat boro virato, l'amour de son créateur, sa crainte. Il est nerchav lo kilu mitalech lifna Hashem b'arzot ha'chaim. Ben lui, il marche devant Dieu dans la vie concrète, pas dans les cieux, pas lorsqu'il sera âme. En étant dans un corps, il est proche de Dieu. Odenupo b'olam hazeh. En étant dans ce monde-ci, il est déjà dans l'âme. D'accord. Vine Ishkazé, un tel type, ou Atzvo Nershav Kemishkan, lui-même est considéré comme le Mishkan, Kemigdash, lui-même est le Betamigdash, lui-même est le Misber. Et comme on dit, Rachamim, Yal Me'alav Elohim, Dieu s'est élevé de lui, à propos de Moshe Rabbeinu, qui était considéré comme le Mishkan, Ahavot En Hen Amerkava. Nos ancêtres sont le char sur lequel Dieu. Sont le char de Dieu. Kashrina shora alehem. Kashrina se trouve en eux. Kemosh eta shora b'amikdash. Umaata, et donc de ce fait même, amachal shemochlim, la nourriture qu'ils mangent. Ou ke korban sheko ole al gebe hashi. Exactement comme un korban qu'on met sur le feu. Toutes les choses qui montaient sur le Mitzbeach, et bien pour eux c'était une innovation. Jusqu'à là c'était une simple vache. Maintenant c'est une vache qui sert Dieu et qui sert à expier les péchés du peuple d'Israël. Donc elle a rempli une vocation bien plus haute que Stam d'être mangée par satisfaction orale, je crois, de l'estomac. C'est-à-dire, hacherait la vache qui a eu le mérite d'être mangé par le viseur et pas par un idiot. Mais de même, Acheré la vache qui a eu le mérite d'être mangé par tel homme. Mais Acheré tous les aliments que l'on mange, on dit la bracha dessus. Ça dépend, des fois c'est machinal. Ça veut dire, parfois la vache, elle est attristée. C'est quand une vache, elle va au. Comment on appelle ça? À l'abattoir. Elle n'est pas tellement heureuse. Elle pleure. Mais elle a une certaine. Nechama. Consolation. Que, tout compte fait, elle va s'élever du nouveau de vache au niveau humain. C'est un homme qui a mangé, qui est plus élevé qu'elle, et donc elle va s'élever.
Mais après, ça, la vache. Son âme, son effet. Et la vache, elle pense pas tellement, mais son effet. La vache qui rit, ça. Voilà. Ouais. Et voilà que finalement, déception, elle a été mangée par un être à apparence humaine, mais qui lui-même est une vache. Donc, elle est déçue. Ça s'appelle, dans la Shona Pnimiut, Lechem Atzevim, le pain de la tristesse. Il y a quelqu'un qui va au resto et qui se goinfre, ben il devrait en ressortir bien heureux, mais il ressort tout triste. Pourquoi il sort tout triste? Alors, il faut qu'il explique les particules de nourriture qui ont été avalées par lui, qui avaient tant d'aspirations à s'élever. Finalement, on se retrouve dans l'estomac d'une bête comme elle. Donc, Stam, j'ai été égorgé pour rien. C'est comme si que ton voisin, tu l'as égorgé, tu l'as mis sur le feu. Parce que toi aussi, tu es une vache. Et donc, elles en souffrent. Elles émettent des cris de souffrance et de douleur qui montent à notre conscience et qui nous amènent à cet état d'âme de tristesse. Non, ce n'est pas une image. Elle est déjà morte, la vache. Non, mais il y a de la vie dans la nourriture qu'on avale. Et c'est la vie qui est dans la nourriture qu'on avale qui nous permet de vivre. Dans chaque atome, il y a de la matière, il y a du divin. Et cette nourriture, qui s'appelle en hébreu lechem, l'émination lealchim, qui veut dire souder, c'est elle qui permet de souder le corps à l'âme. Comme l'huile qui permet à la flamme de rester agrippée à la mèche. Mais non, pas toute huile est apte à agripper la flamme à la mèche. Des fois, ça fait crrr, ça ne tient pas la route. Comment qu'on dit apte en hébreu? Kacher. T'as kachir, t'as mourcha. C'est ça, ilkhot kashrout. Ilkhot kashrout, c'est des aliments qui sont capables d'accrocher l'âme d'Israël au corps d'Israël. Les goïms ont d'autres ilkhot kashrout, parce qu'ils ont notre âme et notre corps. Donc, les ilkhot kashrout ne sont pas tellement détaillés. Ils sont très simples. Il suffit que ce ne soit pas Ever Minachai, c'est suffisant. Pour une petite flamme comme ça et une petite mèche comme cela, n'importe quelle huile est suffisante pour la gripper. Une flamme si développée, encore à la hauteur, il n'y a que certaines huiles qui sont capables de le faire. Mais il y a ce kasher à condition de faire les brachot sur cette nourriture kasher. Nachon, mais quand tu dis brachot de manière machinale et que tu dévores avec, de manière bestiale, ça ne récupère pas tellement de problème. Claire? C'est pour ça qu'on fait Black Amazon. Rétroactivement, pour repenser normal avant de manger. Parce que normalement, à quoi ça sert que tu vis, à vrai dire? Encore un être humain sur la Terre qui terminera dans un trou. Quand tu fais la bracha de Black Amazon, bon, ta chère, Mazan, elle décolle. Jusqu'à là, c'est clair. Merci Dieu qui nourrit tous les êtres. Appétit, bon, on t'achète à la Har et à la Maison. La terre et la nourriture. De quelle terre s'agit-il? La terre d'Israël. Stam, arrête en train d'être, c'est la terre d'Israël. Quel rapport? Tu habites Paris, tu rentres dans un resto à Montmartre, et tu prends un casse-croûte tunisien, et tu dis la terre d'Israël, quel rapport que je coûte? Troisième bracha, bon, on t'achète, bonnet, bignan et Jérusalem. Reconstruit Jérusalem. Quel rapport? Donc, merci Dieu de me nourrir, c'est-à-dire de continuer la vie en moi. Quel est le sens de ma vie? À quoi elle sert ma vie? À l'arrêt de l'Amazon. Le peuple d'Israël sur sa terre. Je contribue à l'édification du peuple sur sa terre. Et à quoi ça sert le nationalisme israélien? À rien du tout. Ce n'est qu'un moyen. L'objectif de tout, Boné Bignan Yerushalayim. La reconstruction de Jérusalem, du Beth Amikdash, duquel va émaner la divinité dans le monde entier. C'est ce à quoi tu devrais penser à chaque fois que tu mets une miche de pain dans la bouche. Tu n'as pas le temps de penser avant, au moins pense-y après.
Là, c'est pas le chromosome. Rétroactivement, réélever ta nourriture. C'est comme si tu rentrais la main dans l'estomac, tu ressors la nourriture, tu la regardes et tu la repenses avant de la manger. Maintenant, combien de temps tu peux récupérer rétroactivement ta manière de manger tant que la nourriture est encore dans le ventre, qu'elle n'a pas été digérée? Après, c'est fini. C'est perdu. Faut plus faire tchouba. Le chromosome, c'est tchouba. Top. Continuons. On en était. Qui va d'ailleurs chez Yenachav les Louis Gadol. Donc il est évident que pour cet animal qui est monté sur le Misbéa, c'est une élévation. Et l'autre de Varim, Chayou Oli, Magabé Mizvar, qui vient chez Uni Kravin ou Finachira, quand ils étaient rapprochés de la Chine. Korban, c'est la chambre Kirva. C'est une manière de rapprocher à Dieu. Mais Kol Kachitron, Aya, la Mbezé. Pour eux, c'est une élévation. Achaya Kol Minam, mais regardez ce qu'il y a marqué. Achaya Kol Minam Itbarech. Chaque fois qu'il y avait une vache qui était sacrifiée, ben, toutes les vaches du monde étaient bénies. Chaque fois qu'on apportait un petit peu de semoule, et ben, tous les plats de couscous du monde s'élevaient. Tout ce genre s'élevait, se bénit, était béni de Dieu. Bechol Olam, Ukma Amaram Zichonam Ibracham Midrash, Ken Amachal Bemishte Shaisha Kadosh. Il en est exactement de même concernant cet homme saint qui mange. Chaque fois qu'il mange, ça élève la nourriture qu'il avale et tout le genre de cette nourriture dans l'univers entier. Ilouyou le Machalahou Bemishte Ahou. Tout celui qui apporte un cadeau à Tamid Chacham, c'est comme si il apportait des bikurim au Beit HaMikdash. Évidemment, il ne s'agit pas de n'importe quel Tamid Chacham en dessous, il s'agit de Kedoshim. On va voir de qui il s'agit. Vechen Amrou, Yemale Grolam Shel Talmidei Chachamim Yain. Tu devrais emplir la gorge de Talmid Chachamim de vin. Bimkom les sachim. C'est comme si tu venais les sachim à Pena Misber. Tu versais du vin sur l'autel. Tu ne te trompes pas à croire que les Chachamim n'ont que ça à faire d'être, de poursuivre, d'être enthousiasmé par la nourriture et la boisson. Shimale Gronam. C'est dit de manière un petit peu péjorative. Les manot Gronam. C'est comme si tu goinfles un gourmand. Mais là, il y a nous, les filles à Kamana, je viens d'expliquer. Qui est Talmidei Chachamim à Kdoshim, pas n'importe quel Chachamim. Talmidei Chachamim qui sont Kdoshim, Bedarkehem, dans leur comportement, Bechol Maasehem, dans toutes leurs actions, dans toutes leurs midot, dans toutes leurs aspirations, dans toutes leurs pensées, dans tous leurs sentiments. Tous les aspects de la vie sont Kadosh. On remplissait des verres de vin, etc. Ben leur estomac, c'est comme ça. On ne va pas tout lire. Mais non, ne nous l'aurons pas. De qui il s'agit? Ce n'est pas tous les rabbins de synagogue, ni même le rabbin de vie, ni même le rabbin de tout l'État d'Israël. Qui le Rambam? De quelle ligue on parle? Moshe Rabbeinu vers Avot. Il n'y a que des gens comme ça qui sont arrivés au niveau de la Moshe. Alors vous me direz, alors à quoi bon lire ces textes qui sont inaccessibles? Ben parce que comme on dit dans le jargon militaire, si tu ne rêves pas d'être chef d'état-major, tu ne seras même pas un petit soldat de rien du tout. Mais en attendant, il faut être comme des Haredim. Hein? En attendant, il faut être comme des Haredim, parce qu'on n'est pas au niveau d'être... Non. Progressivement, dans les domaines dans lesquels tu es capable de le faire, tu dois le faire. Il se peut qu'il y ait des domaines dans ta vie qu'avec une certaine facilité, tu peux le faire. Mais tu es obligé de le faire. D'autres domaines, non. Reste dans la Tara. Et surtout, ne te leurre pas à croire qu'il est dans la Gdusha, sans quoi tu n'y arriveras jamais, parce que tu penses que tu y es déjà. Donc tu te mens. Tu t'en prie, faire une bonne assiette de pâte à la sauce. Tu dis, Ani, malet, Ani, tzotzot. Mais bon, je vois Stéphane, c'est bon. C'est pas péché, comme on dit en France. Et même si tu as envie, c'est pas péché. Tu
n'est pas obligé d'être un l'asceste, comme on dit. L'ascète. C'est pas péché d'avoir des plaisirs. C'est permis. Et c'est même conseillé. Parce que si tu ne satisfais pas plaisir permis, finalement, ça va déborder vers des plaisirs interdits. L'odayeka macha sralcha Torah, dit Srasal, ça ne suffit pas, parce que la Torah t'est interdit, que tu en rajoutes. N'exagère pas. Voilà. Donc, consomme avec plaisir les plaisirs de ce monde. Batara. Et tu es un tzaddik. Albaï, qu'on soit tous des tzaddikés. Voilà. Si tu n'es pas un chassid, tu n'es pas pour autant un rachat. Mais en étant tzaddik, ne te contente pas du fait que tu es tzaddique. Aspire à être assis. Et fais ça progressivement, lentement et sûrement. Tu ne peux pas te forcer la main à être assis. Comme tu ne peux pas te forcer à aimer quelqu'un. Ou tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Plus tu connaîtras ses qualités, plus tu l'aimeras. Plus tu comprendras la grandeur de Dieu, la grandeur de l'idéal divin, plus tu y adhéreras de tout cœur. C'est un processus normal, pas artificiel. Tu ne peux pas te mentir. Je suis idéaliste, mais tu n'es pas idéaliste. Pourquoi tu le dis ? Ça n'a rien de le dire. Il faut l'être. Et comment être idéaliste ? Eh bien, en étudiant l'idéal, en s'approfondissant dans l'idéal, jusqu'à en être mouksam, on dit. Non, pas. J'en suis. Hein ? Drogué. Drogué, c'est déjà situé. Je suis à. J'admire cet idéal. J'ai envie d'être dans ce livre. Je ne peux pas vivre sans. Ah, c'est charmé. Bien. Charmé, voilà. Kessem. Voilà, charmé. Je ne peux pas, de manière artificielle, de décider. Voilà, à partir d'aujourd'hui, je fais l'idéalisme. C'est des mots. C'est quelque chose qui s'étudie, qui s'approfondit. Donc, pour terminer, parce qu'il y aura 5 minutes, je ne vais pas lire avec vous parce que c'est trop long. Il y a Mahamar dans Mahamar Eriya qui s'appelle Ela Teshuva, dans lequel le Rav fait un parallélisme entre la Teshuva du Prat et la Teshuva de Klal Yisrael. Il raconte exactement la même chose. L'âme était dans les cieux, au chaud, bien blottie dans les bras de Dieu. Je fais un petit peu de métaphore pour que ce soit plus poétique. Et un beau jour, Dieu lui donne l'ordre d'atterrir dans ce monde. Donc elle est parachutée dans ce monde, ouais, elle atterrit dans une ovule fécondée, c'est un petit peu à l'étroit, et pas tellement sympa, pas le choix, mais elle est patiente. Elle attend qu'il grandira ce petit bébé, et on pourra faire des choses intéressantes. Mais elle est tellement responsable du corps dans lequel elle vit, elle se soucie de tous ses besoins. Et c'est comme ça qu'elle est amenée quotidiennement à combler les besoins du corps. Et le corps n'arrête pas de développer de plus en plus de besoins, de soucis, etc. Et finalement, elle sombre dans la complexité de toutes les activités du corps et elle s'oublie de l'âme. Elle oublie la vocation pour laquelle elle est venue dans ce monde. Elle en étouffe. Jusqu'à ce qu'elle entende la voix de Dieu qui est retentie, qui dit « Oh, l'aim la briot, mais elle bonache le Torah. » Malheur aux créatures qui dédaignent la Torah. Évidemment, ce n'est pas une voix réelle. C'est un message divin qui est véhiculé vers nous dans notre âme. Une sensation profonde que le temps est arrivé d'agir pour les idéaux. Ça veut dire que tu as entendu cette voix divine. Donc ça, c'est l'échelle individuelle, c'est le processus qu'on fait tous, et dit essentiellement « Bimé Tchouba, Kmeloud, Sardimé Tchouba » où cette voix retentit à full volume, donc même les plus sourds l'entendent et se reprennent en main. Ça, c'est au niveau de l'individuel. Il en est exactement de même concernant la nation. La grande âme de notre mouvement de renaissance nationale a commencé par des grands tzaddikim. Le Bouddha Lévi, Ramban, Ganovina, Baal Shem Tov, revenons en Eretz Israël pour établir la Shrina, pour construire le Beth Amikdash,
pour éclairer l'humanité entière. Ça, c'était le déclenchement du sionisme qui a commencé par des grands saints. C'était l'idéal dans toute sa pureté, dans toute sa sainteté. Attends, mais un beau jour, cet idéal doit atterrir dans le monde du concret. Parce que tant qu'on ne fait que s'enthousiasmer de grandes phrases, ce n'est pas ça qui va construire le pays et construire l'État d'Israël. Donc, il faut atterrir dans le monde du concret. On arrive en Eretz Israël, chacun prend sa pioche, on commence à travailler la terre. Et la complexité de la vie fait qu'on n'a plus tellement le temps d'écouter les grands idéaux. Et on doit vivre, on doit défricher la terre, trouver de l'eau, de quoi manger. En plus, les Arabes qui nous cassent les pieds, qui essaient de nous tuer, qui doivent se faire des systèmes de sécurité, etc., de construire toutes les structures. Et au sein même de cette activité sioniste, il y a énormément de machlokot. On dit machlokot. De controverses. Comment aboutir à notre idéal en faisant une alliance avec les Britanniques ou en contre les Britanniques, et ça fait des décisions au sein même de la nation. On arrive finalement dans une situation dans laquelle on a totalement oublié l'idéal premier. On s'adonne qu'à la maintenance quotidienne de la matérialité, et l'âme du sionisme étouffe. Et n'étant plus animé de cet idéal, on fait aussi des bêtises, on va à contresens. Si tout le rôle, c'est la maintenance quotidienne, et ben, s'il faut renoncer à certains idéaux pour renforcer la maintenance quotidienne, on y renonce. On peut renoncer à l'État d'Israël, on peut renoncer à l'identité juive. L'essentiel, c'est qu'on vive en sécurité, qu'on mange bien, qu'on s'amuse bien. Et c'est comme ça que tout le sionisme sombre dans les ténèbres. Mais encore une fois, Dieu ne nous laisse pas tomber. Cette fois-ci, une voix retentit des ruines de Jérusalem et qui s'exclame de retourner à Dieu. Mais il ne s'agit pas de faire retourner à Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure. Retourner à Dieu à l'échelle de l'individu, ce n'est pas que l'âme s'élève et laisse tomber toutes ses activités, mais d'injecter de l'idéal dans une activité quotidienne matérielle. De même, au niveau du sionisme, il y en a qui pensent, c'est quoi faire tshuva ? On laisse tomber tout ce sionisme naze qui nous a écartés du judaïsme, et retournons au Beit HaMidrash. Disons le Rav Kook. Toutes les activités du sionisme doivent continuer de plus belle, mais injecter l'idéal premier. Ne pas oublier quel était l'idéal, d'amener la nation à la concrétisation de sa vocation par l'intermédiaire du sionisme. Donc faire tshuva dans notre génération aujourd'hui, il ne suffit pas que toi et toi et toi, à l'échelle individuelle, vous vous renforcez dans votre crainte de Dieu. Il faut que l'État d'Israël se renforce dans la crainte de Dieu. Il faut graver le nom de Dieu sur le drapeau d'Israël. Il faut que la Knesset soit la plateforme réelle politique qui divulgue la volonté de Dieu dans ce monde par un vécu de la société israélienne. Donc, si il y a 100 ans, disons, lorsque tu appliquais le Mizdok avec sérieux et tu faisais des midot, tu faisais la Torah, tu aurais reçu une note 100 sur 100. Aujourd'hui, si tu ne fais que ça, tu as une note 10 sur 100. Seulement, si tu t'investis à amener l'État à être la plateforme réelle politique de la divulgation du message divin dans ce monde, tu as un véritable Yiré Hachem. C'est ce que l'Élohim attend de nous. Vadaï. Une attente très très forte. Chorbano sur l'Olam d'Oresh et de Koumat Israël, dit le Rav Kook, pendant la guerre mondiale. La destruction de ce monde attend ardemment la reconstruction de Israël, car c'est la seule réponse de l'avenir de l'humanité. Et ici, on fait les oeuvres. Tout le public est là, nous observe sur le podium, on s'escarmouche, on s'envoie des tartes, on se fait des salvanes, on se salue les uns les autres dans les campagnes électorales, etc. Et de remplir notre véritable vocation, on est tombé dans les oubliettes. Donc cette voix retentit des ruines de Jérusalem, qui, elle, témoigne de ce qu'était Jérusalem avant la destruction. C'est à cela qu'on doit retourner, à Jérusalem à l'époque de Shlomo HaMelech, qui avait un impact universel de la voix de Dieu dans ce monde. C'est à cela qu'on doit mener le sionisme. Tout Yirei Shamayim actuel doit s'attonner corps et âme, nuit et jour, à cette vocation, d'amener l'État d'Israël à ce qu'il doit être, et pas de s'amener lui-même à ce qu'il doit être. Comment on dit à l'école? Passable. C'est quoi passable? C'était E, je crois. Il y avait un BCDE dans les notes. À mon époque, passable. Tu dois être A+. Shalom, shalom. Tout. Shalom, shalom.